Sainte-Anne, c'est une station qui convient très bien aux débutants et autres skieurs, mais c'est surtout une station qui est super bien pour le freeride et le freerando. Pour le domaine freeride, c'est plutôt d'avoir une particularité qu'on ne retrouve pas sur les autres sites. C'est des pistes qui sont ouvertes et pas damées, mais sécurisées pour permettre aux gens de pratiquer le freeride qui normalement se pratique en hors-piste. En fait, Sainte-Anne, c'est une quinzaine de pistes seulement. Par contre, il y a vraiment un domaine de free ski, free rando, avec les trois vallons de Crouez, des Plastres ou de l'Arpillon, qui sont vraiment très souvent vierges, inexploitées. Le ticket free rando, en fait, c'est le ticket unique. Il permet d'accéder avec les remontées mécaniques au haut du domaine. La station exploite une petite partie du secteur sur lequel on se trouve, et tout ce qui est autour permet de faire de superbes randonnées. Quand on finit une journée à Sainte-Anne, on se sent vraiment apaisé, avec l'impression d'avoir pu profiter de la montagne dans de grands espaces. Et donc ça laisse place vraiment à la nature dans son état le plus sauvage.